Bon, donc du coup, Ruben, on va partir. Incroyable. Alors, ça, c'est de l'écran. Au début, je pensais que c'était un paysage d'automne, mais non, pas du tout. C'est juste des pixels buggés. Ouais, c'est un beau paysage. En vrai, mec, c'est artistique. En effet. Alors, donc, Tukidage, nous on retrouve aujourd'hui pour partir dans la première histoire de vlog. Donc, ça va être très intéressant. Hein, ça va être en Angleterre, c'est ça. À Londres, hein. À Londres. En famille. Parce que c'est toujours mieux en famille. Alors, donc ce vlog commence très. Commence super bien parce que. 5-0 quand même à 79 minutes. Donc ce vlog commence directement sur un petit gelé parce que c'est trop bien le petit gelé. En vrai, moi je l'ai déjà pris. Mais allez, go! Il est pressé d'aller manger lui, hein, non? Ça se sent. Dans la rue, il y a. Incroyable. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe 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 aïe. Mon petit gelé, il a été pris. C'était plutôt intéressant, hein. Non, je suis d'accord, c'était pas ouf. Enfin bref. Bon, alors comme vous pouvez voir ici, un cinéma. On va voir si on peut y aller. Regarde Tom, là on avance plus vite. Hein. De devant on voit rien. Mm-hmm. Oh bah on avance hein. Parce qu'on réfléchit, tu vois. Oh là là. Alors ça c'est pas bien ça. Hein. Bon alors après avoir abandonné cette idée de cinéma, je me propose de m'asseoir sur la table. Mais non, parce que la table. Oui. Ah mais je suis sur la table, pardon, excuse-moi. Allez, go. Alors, c'est parti pour un tournoi Switch. Star. Alors, que veux-tu dire? Le fiel est dégagé à l'horizon. C'était pas exprès, là. Et je conseille donc à tout le monde d'aller sur le fond pour vivre la houle sauvage, la houle, la vraie, la houle de la mer. Ah, la houle de la mer. Voilà. Et vraiment, vous voyez la coupe que j'ai, bah, ouais. Oh. Ça c'est la houle. C'est la houle, autour de la houle. Voilà. D'accord, je vois. C'est Florian Beck, le délégué de la classe. Bon alors du coup, on va aller donc sur le pont. Vas-y. Appuyez pour ouvrir. Oh, trop bien. Oh, there is the vent. Regarde, on va essayer. Tu fais. Il y a repère de vue. Bon alors. Le mec, regarde. Ça arrive bien, ça c'est sûr. C'est pour les voitures. Oui, c'est pour les voitures. Danger potentiel. Danger potentiel. Oh regarde, il fume notre bateau là, il fume. Hein. Oh. Oh. Respirez profond les garçons. Attention, on va faire un exercice de respiration. Qui porte qui? Bon bah du coup c'était une super expérience ça hein, n'est-ce pas? Ouais vraiment c'était... Ah ouais. Eh hey, c'était ouf. Donc il est juste 10h. On devrait arriver vers 13h20 heure anglaise. Ah oui du coup. Alors, c'est du coup 14h20 heure française normalement. Ouais 4h je pense. Ah oui, bon bah on attend. En gros là en Angleterre il est 9h49. Ouais. J'ai l'impression qu'il est 18h. Bon il y a un bar hein, mais bon pas d'alcool les enfants, c'est pas bien l'alcool vous savez. Hein. Il y a plein de télé avec des sports, c'est super intéressant. Il y a un 10 ici. Allez, allez. Regarde, tu veux. Prenne les livres. Et c'est accepté que de l'euro. Ah non, regarde là. Cet appareil rend la monnaie en euros. Ah, et ça accepte les euros ou les sterling, mais ça rend en euros. Oui, ça c'est. Ça c'est original. Ça c'est pratique ça. Ils sont partis en fait. On a perdu. Ils ont littéralement perdu. À mon avis, ils sont dans du par là. Voilà, bah, on en retrouve forcément un par terre. Oh. Vous avez tenté le massage cardiaque? Là, va falloir du bouche à bouche. Ah ouais. Moi, je m'en occupe, pas personnellement.
Oh la vache, ça en fait du bruit, ça tangue sur le pont. Ah bah non, en fait. Non, en fait, ah la flemme, hein. Non, nous on joue, hein. Ça c'est mieux, ça. Ah, ça c'est mieux, hein. Ça l'a pas prise. Ça l'a pas prise, toi aussi. Ah, moi aussi. Oh, mais c'est nul. Moi, je croyais que c'est. Comme tout à l'heure. C'est bon, ça l'a prise, moi. Ah, moi aussi. Ok, super. Tu prends quoi, là? Washington. Washington, c'est ça, là? Ok, et. Bah, moi, je prends la Dodge. Vu que c'est en hard et que j'ai pas fait air tout à l'heure. Je sais pas si on peut jouer tous les deux, c'est nul. Je sais pas. Mais c'est pas grave, de toute façon, frère. C'est dommage. Parce que c'est dommage. Mais... On se fait pas les mêmes voitures sur les deux. Ah, j'ai pas vu. Mais moi, si j'ai testé sur... J'ai pris la B. Je voulais tester. Il y avait écrit hard. Oh. Mais aussi. C'est max, ouais, je suis aussi. Il me reste 29 secondes pour finir le tour. Bah. Ouais. Attends, au début. Je peux le faire. Là, je me mets. Je suis content sur le frein. Ah! J'aurais trop en faire alors avec. Avec moins de points. Le gameplay hard de Ruben là. Est-ce que ça te déconcentre si je fais ça? Fini 6ème quoi, hein. C'est peu buggy, hein. Et tu vois là, regarde. Game over. Bon. So triste. C'est ce que j'appelle une mort publique. Bon bah pause déjeuner, hein. On sent que t'as l'air très motivé pour le déjeuner. On est proche. Voir de la terre. Ah bah. Peut-être bientôt. Et ça fait bim bam boum. Attention transition car il y a de la terre. Et la terre c'est bien. Pas sur la voie la caméra. Parce que je vois rien la caméra. Voilà. Oh mon dieu de l'eau. Allez, allons-y. Okay. On rentre dans le port. T'aurais dû prendre avant, il y avait un truc stylé à regarder. Non, c'est moche. Non, regarde, c'est magnifique, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est le bateau, ça. A few moments later. Bon, bah alors du coup, on va visiter le Cosmos Historic Tokyo. Arrête de bouger là. Incroyable. Donc on va le visiter et puis ça va être cool. Alors en gros, l'HMS Victory, c'est le plus vieux bateau de guerre au monde. Il est connu pour avoir été le vaisseau de l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar, que les Britanniques ont gagné malgré la mort de l'amiral. Mais bon, quittons Portsmouth pour se retrouver à 120 km d'ici, au Port Londonian Red Bridge, et plus précisément dans la maison de notre famille d'accueil, située à quelques centaines de mètres du point de rendez-vous. Avec Ruben, nous dormions dans une pièce à l'extérieur de la maison, et il fallait en fait traverser le jardin pour y accéder. Pour une nuit, je vous raconte pas, il fallait le traverser sans rien y voir, par exemple pour aller aux toilettes, donc on avait les clés de la chambre et du salon, qui nous permettaient d'y accéder. C'est une bonne émission, hein. Ouais, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Leur voyage et tout, mais que ça donne envie d'y aller. Mais franchement, moi je pense que leur journée était plutôt sympathique, mais très épuisante. Ah ouais, c'était... Ouf. Ils sont tout le temps des pires groupes, hein. Toujours le dernier groupe, toujours en retard. Avec les, comment ils appellent ça, les trois mousquetaires. C'est comme les E3C, tu vois, ça va pas. Oui, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Dès qu'ils sont ensemble, c'est la bagarre, c'est la fin. Catastrophe. Ah, n'empêche, leur famille, elle est sympathique. Vachement. Non, mais je veux dire, elle leur donne beaucoup à manger. Par contre, si c'est comme ça tous les jours, il faut prendre 160 kilos. Hein. Bon, bah, je sais pas comment ça va se passer demain, mais... Et j'ai hâte. J'ai hâte. Du prochain épisode. Prochain épisode, jour 2.
Que faites-vous du droit humain? Très bel œil. Dans le passé. Et que faites-vous du droit humain? Ah, les trains. Ah, les trains. Ouais. Les trains, ils passent à côté de chez nous. C'est pas une excellente journée ici, non? Ah oui, je suis d'accord. Excellent. Hein. Et là-bas, il est bloqué dans la terre, quand même, tellement il est. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut même montrer en vidéo. Il est coincé. C'est vrai que c'est. C'est quand même un peu. C'est quand même un peu débile. En partage. Oh! Un peu plus de remplacement des marches. Ça va aller. Impressionnant. Et il se barre. Au revoir, à plus. Ferlope. Oh, mais ultra bas le métro. C'est pas un métro ce truc, c'est un. Bon, elle va direction Camden Town. Oh my f***ing God! C'est bon de parler. Ils sont partis. Ils sont morts.
circulent tous comme ça. C'est une garde ça. C'est toi les amis. Mais c'est le fight. Oh oh. Allez, c'est qui, c'est de prendre les oh, le coup de pied mal passé. Oh la vache. Et c'est de la merde. Allez-y, continuez, vous faites pas attention à moi. Ils sont amis en fait. Hé, hey, ne pense pas toi. Comment as-tu fait pour gagner aussi peu d'argent et une si belle voiture? C'est très simple. Il suffit simplement de tirer cette application. Prends ce téléphone. Oh, merci. Jouez rapidement. Là, regardez sur le côté, là, c'est particulièrement beau l'abbaye. Wow. Et puis devant nous, il y a le Parlement. On va passer le long du Parlement. Et je suis désolée, mais la tour que tout le monde appelle Big Ben est en travaux en ce moment. Ah oui. On la va pas bien. Dommage. Il faudra revenir dans 2 ans, ça ira. Alors, vous savez que sa tour ne s'appelle pas du tout Big Ben? Très bien. Quelqu'un est déjà venu ou est tout simplement bien renseigné? On a travaillé ça. Ah, bravo, très bien. Toi, Elisabeth, c'est ça. Parce qu'en 2012, la reine a marqué le 60e anniversaire de son règne, le jubilé, on appelait ça. Et donc, on a donné son nom à cette tour à ce moment-là. Et la tour à l'autre bout qu'on va voir après, c'est la tour Victoria. Parce que Victoria aussi a régné plus, 60 ans et plus. Et Big Ben, c'est le nom de quoi si c'est pas la tour? C'est la cloche, exactement. Et elle ne sonne même pas en ce moment, à cause des travaux. Sinon, les ouvriers deviendraient un peu sourds. Hein. Alors, il y a la statue d'un homme politique très célèbre pour ce pays, juste à droite, là, avec sa canne, c'est Churchill, tout à fait. Il était premier ministre à un moment très important, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je vois que vous êtes bien renseigné. Et quand on, d'habitude, quand on voit sa photo, il a quelque chose qu'on ne voit pas là. Une moustache. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'on verrait normalement sur les photos. Son torse. Il a un cigare plutôt. Il fumait des cigares. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez que sous la tour Victoria, il y a une entrée? On va passer à côté. Eh bien, c'est là que la reine entre, normalement une fois par an, pour une cérémonie qu'on appelle la cérémonie d'ouverture du Parlement. Ah, ça peut... Oui. Et vous allez voir un petit dragon à gauche parce qu'on sort de la city. Il est... Oh, c'est une aubaine d'être ici. Oui. Aubaine. Ah, oh, vas-y, tu fais des jeux de mots, qu'est-ce que tu vois? Jean-Jubile, ton... Ah non, putain, j'ai cru que c'était écrit urbaine. Oh mon dieu, mais non, c'est lié aubaine. Ça me rend pas essayer de trouver un chapeau de soldat anglais. Pourquoi anglais? Non mais de garde quoi. Ah non, c'est juste pour le porter. Non. Tiens, je le mets comme ça et l'enfiler jusqu'à là. London Transport Museum. C'est pas de blague là. Sausage. Content. Le pain quotidien, ça veut dire qu'on mange un pain tous les jours. Pour grand gardien. Quoi? Le grand gardien. Ça veut dire... Non, c'est le jardin du couvent. Je crois que c'est ça. Bah oui. Couvent, on retient. Couvent Garden, je regarderai plus tard. Non, on observe. Et voilà, c'est bon, on a fini d'observer. Je pense que c'est vachement propre ici. Oh, bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Salut. Vous pouvez vous asseoir.
Ça, tu le laisses par contre, mec. Bon alors, donc là, on a un temps libre. On va faire un café. Ouais, voilà. Il n'y a pas Starbucks, y a pas... c'est loin. Ouais, 3,3 km, ça fait 50 minutes à pied. On n'a pas l'habitude des cafés, genre au CRP café, tu sais, sur le pape. À emporter. Du coup, on va chercher un bon café. Café crème, ben du mal. Café crème. Un cappuccino. Cappuccino. Non. Cappuccino caramel. Mocha, mocha. Bah, classique. Non, moi je préfère le mocha. Tiens, c'est encore la suite de la Apple Market. Hein ouais, mais. Apple Market, putain. Ils sont partout. Il va tomber, mon petit doudou. À cause de toi, Tom. Le... Oh. Je te fermais pas. Oh, regarde, on dirait il vole là. Il a ses ailes qui volent. Ah. Ça peut porter à confusion. Regarde, il y en a qui s'appelle Kawaii. Mais en version. Kawaii, en fait, jusqu'à plus tard. Ah bah on va au Café Négro. Bah oui, on va voir. Tu sais où il est? Ouais. Ah ok, bah on suit. Hein ouais, vas-y, vas-y, suis-moi. Continue de me suivre avant moi. En fait, tu sais pas où est-ce qu'il est. Non, tu sais pas où c'est. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. En fait, je sais que c'est pour là, mais je suis pas sûr s'il est plus loin ou moins loin qu'ici. 300 mètres! Mais oui, il est juste à côté. 5 minutes. Ah ouais, quand même? 3 minutes. Ah oui! Faut traverser! Pas... Attends, j'ai l'impression qu'il faut traverser le. What? Il était dans le sens, moi je pensais qu'il était dans le sens là. Ouais, bien sûr, tu veux ta vie à ta caméra. Mais c'est parce que c'était par là, on est venu de par où? On est venu d'où nous? Bah, je sais pas, moi pour moi on était venu de là, mais ça se trouve on est venu de là-bas. Ça me stresse, les gens qui sont au téléphone et qui parlent pas du tout. Mais non, mais. Ils sont juste là en train de te filmer en fait. Mais bah ça, c'est qu'ils mettent leur téléphone pour pas qu'on leur parle, tu vois. Ils font genre, oh, je suis occupé. Eh, regarde, ça fait pas comme. Attends, oh, un truc, ça là. Quoi? Je sais pas si ça va beaucoup bien fonctionner parce qu'il y a pas beaucoup de lumière là. Regarde. Oh, ça marche. Putain, c'est trop bien. On l'a fait pour aller au. Allez, go. Allez, maintenant, faut que je les baisse. Moi, j'ai les reconnexions, alors du coup, ça marche pas. Comment ça s'appelle là? Pour aller au. Subway, on avait mis ça. Ah ouais, d'accord. Mais mec, c'était trop bien. Les voitures, faut faire gaffe. Par là-bas. Ah, regarde. Oh là. C'est trop bien fait, mec. Ah, c'est sûr qu'il y a un truc. Regarde, il y a là, sinon. Ah, regarde, Tom. Tom. Oh, salut. On va au Café Négro, nous. Mais je croyais que c'était à 40. Il est... C'est à 40, quoi. 32. Il est 32, je veux dire. Il y a pas le temps. Ah, ça casse. Alors parlons rapidement de la douche au fait. Bon, le système était original. Il fallait d'abord ouvrir le robinet de la baignoire, pour ensuite allumer celui de la douche, puis rééteindre celui de la baignoire, et à ce moment-là, la douche fonctionnait. Par contre, une fois, j'ai tiré la chasse d'eau et la douche a coulé. Alors, je sais pas, j'avais pas trop confiance. Moi j'ai pas envie, j'ai pas envie. Incroyable. Ah mais c'est ici, oui. Bon du coup, vu qu'on a pas le droit de filmer et de prendre des photos comme dans les trois quarts des lieux qu'on visite, bon, ouais, bah on va... Ah non, c'est moche, on voit les visages des gens. Oh, méchant visage des gens. C'est moche, c'est quoi, c'est moche. Regarde, t'es moche, toi. Sympa. Attends. Là, t'es moche. Non, attends. Et quoi? Ne bouge pas. Oh, nice, on dirait comment Gérard Depardieu. Où est-ce que tu vois Gérard Depardieu là? Attends, attends, oh là là. C'est aussi un Cyrano de Bergerac. C'est aussi le grand angle aussi là. C'est horrible. Bah oui, ce serait pareil avec toi, ce serait encore pire. Bah oui. Attends, bah vas-y, hein, moi ah j'ai ouais, pas un grand angle. J'ai le grand angle aussi sur la caméra avant, mais je pense que c'est un peu du cheat, genre. C'est juste qu'il zoome sur la normale ou un truc comme ça, ouais. Genre là, tac, là, grand angle. Oui, non, il y a qu'un seul objectif, c'est juste un effet. Ouais. Genre là, tac, tac. Ouais, ça se voit. Non, peut-être que ça se trouve, c'est un macro, mais sauf qu'il crop quand tu le remets normal. Ouais, je pense aussi. Flash. Par contre, je me suis pris en photo du coup. Yes. C'est pas sympa de prendre des photos des gens. T'as les photos, t'aurais pu la garder. Là, je la garde, par contre, j'ai pas trop ramasser. C'est là aussi. Mais si, c'est le grand temps. Voilà, mais donc du coup, ouais, c'est une sorte de petit débrief avant de rentrer, vu qu'on pourra pas filmer. Même si nous, on est le deuxième groupe, alors du coup, on passe toujours 30 minutes avant les autres, hein, donc du coup, après les autres, je veux dire, donc. Du coup, j'ai laissé un photo de profil pour toi. Non. Oui, c'est mieux de prendre. Mode portrait, attends, vas-y, mets-toi ici. J'essaye le mode portrait, venez les gars. Ouais, vas-y, je te suis parce que c'est bien de te suivre. Vas-y, vas-y, mets-toi là, mets-toi en hauteur. Ah. Vas-y, fais le beau gosse. Non, mais je vais pas faire ça. Regarde, fais le beau gosse.
Je t'ai dit, fais le beau gosse. Non. Attends, faut qu'on voit l'arrière-plan. Mais je suis en train de changer de mode. On le filme en fait. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Ah, c'est beau. Ça, arrête de bouger, on voit la il capte la tête de Tom en. Ah non, c'est la mienne. Oui, la tienne. Bah, avant, c'est en même temps, il y avait quand même ma tête sur ton contact. Ah ouais, Ruben, c'est nice. Vas-y, je me prends en photo-portrait moi-même alors. Alors. Ils s'entraînent sur leur anglais là. T'as pas le droit de filmer intérieur. Si, non, il sait yes. Yes-y, you may take photos. On dit, vous pouvez prendre des photos. Une autre vidéo. Mais c'est où le rapport? Ça, je sais. Bien sûr que si, quand on va prendre des vidéos. Non, pas de vidéo, il a dit. Mais les vidéos, c'est des photos. Oui, j'ai tout dit. Bah oui, c'est un enchaînement de photos, à, en l'occurrence 60 images par seconde. C'est pas des vidéos. Bah oui, mais c'est des photos. Allez go. YouTube, l'Instagram de ce gars, on lui a demandé, et bah, il sera en description. C'est Ben. Attends, Wilson, Chewing Gum Man. Ouais, vas-y. Alors, ah, c'est ça. Là, t'as ces petits chewing gum. Oh. C'est pas mal, hein. Ça s'appelle quoi, chewing-gum? Ben Wilson, Chewing Gum Man. Et voilà, il fait des chewing gum. Voilà. Il peint les chewing gum. Ben Wilson, Chewing Gum Man. Il y a un quiz starter si vous voulez faire des dons. Et donc là, bah... J'ai récolté 8700 livres. Ouais, c'est possible. Sur 8000. Et là, bah, c'est plutôt grand. C'est ce qu'on appelle une cathédrale. Ça change d'ambiance. Ouais. J'aime bien les cathédrales, moi. Pourquoi? Ton avis sur la journée, Tom? Incroyable. Incroyable. C'est pour un moment, mon amour. Bon, bah, c'est tout en bridge, quoi. Attends, c'est bon. Incroyable. Bah prenez-les en photo. C'est franchement sympa. Et c'est où ces méchants qui se foutent de notre gueule? Eux là. Ah oui. Ah, elle. Vas-y, filme-les. Ah, c'est déjà fait. Bien. C'est déjà fait. Et pourquoi, comment t'as pris la photo? T'as pris de façon bizarre? Merci pour toutes tes précisions. Bon, eh bien, c'est très intéressant. Alors, on voit le quartier des riches, la city, comme on dit. C'est sûr que c'est la city. Ouais. Là-bas, il y a la loi Copa. Là, il y a Adam qui dit il est claqué au sol ce quartier. Là-bas, il y a la loi Copa. Ouais, il y a la loi Copa là-bas. Il m'a tué. L'article 13, attends, il est où? Article 13, attends, faut le chercher là, ça va être compliqué. Il est disparu. Là, on entend pas beaucoup parler en ce moment. On entend pas trop parler, ouais, en ce moment. Ah, regarde la Copa. La, comment la loi, l'article 13, c'était une île flottante avant. Regarde, elle a disparu. Ah elle oui s'est elle s'est retournée en fait. Incroyable. On va donc l'intérieur. Tour Bridge. Intéressant. Mais oui, il y a un radar en fait. Bon, bah je crois qu'on est sur le bateau, hein. N'est-ce pas? Tu veux de l'eau? Non. Allez. Incroyable. Et ben c'est
C'est un bateau. C'est fou, quoi. Et il avance. Et attention maintenant, plan de coupe sur tout ce qu'on a vu durant le bateau. Bon bah on est devant le National Gallery. Voilà. Et donc du coup ouais un zoom stylé. Attends, on va faire un zoom stylé, regarde. Hop, zoom stylé. Zoom stylé. Zoom stylé. Montage, genre tu dézooms de la bouche du lion. Du dinosaure. Du dinosaure ou aussi un dinosaure. Là là. Oh mon dieu, il est énorme. Quel beau dinosaure. J'arrive dans le badage, je me tranche la tête. Il y a un Bruno qui pèse en toi. Un brunosaure. Un brunosaure. Ok, bon bah là il est énervé le cheval hein. Et c'est pas sympa ça. Il est énervé parce que voilà, c'est le cheval, il est pas content. Faut pas embêter les animaux. Hein. Dans le bloc, transition cheval. Transition cheval, ouais, non, vas-y. Transition cheveux blonds. Non, mais je lui fonce sur le flanc et puis ensuite ça va aller. Il va faire comme ça là, bam. Et ton téléphone il va voler sur la route et là écrasé par un bus. Bon, du coup on est à Brighton et Tom bah il s'est reconverti. Il a changé de sexe. Mais enfin du coup tu t'appelles comment? Tu t'appelles plus Tom? Tomette. Tomichette du coup. Hein. Et la réelle Tomichette. La vraie. Bon du coup ça va partir sur cette photo, attention. Ouais. Ça c'est fait. Oh. On l'a perdu. Tu filmes là? Bien sûr. Ok, c'est parti. Ah, autour de Tom. Alors d'abord c'est le pied, vas-y. Allez. Ouais. Allez vas-y. Attends, eh, moi je suis gaucher, ça va être horrible. Non. Faut appuyer sur Select Tournament, je pense. Ah, c'est un livre pour chaque actif. Allez, vas-y, remets un livre. Sérieux? Bah, allez, go, retirer. Oh, mais ça, c'est 2€ de frais. Ah, ah. Bon, alors, du coup, on a abandonné l'histoire des coups de pied et tout, hein, point. Mais au final, ils ont décidé de sortir ensemble, Ruben et Tom. Et du coup, ils.
Bon, on te voit pas, Ruben, parce que t'es dans le noir. Approche ta tête. Et bon, elle est un peu poilue, quoi, mais... Ah, c'est... Incroyable. C'est très ressemblant, attention. Attends. Reviens là. C'est l'heure de la photo. T'as 5 secondes. Photo. C'est classe. C'est très classe. Attends, il y a que rien. Mais pour l'instant, c'est Ruben qui gagne. Attends, j'ai gagné. Vous avez 4 tickets, regardez. Hein? Oui. Oh, on a 4 tickets. Attends. Il en a aussi. Vous gagnez des trucs. Ouais, on veut les tickets, vous les échangez là-bas à la caisse et ça vous donne un truc. Vous jouez à plusieurs jeux pour avoir plein de tickets. Tu veux du Bitcoin, tu passes. Quoi, deux? Putain, mais ouvert, c'est quoi? T'as niqué en deux secondes. Putain, t'es trop chaud. Bon, du coup, là, on va partir voir les street art. Non, mais est-ce qu'elle m'a donné? En fait, c'est typiquement l'aide. Mais d'abord, pose Starbucks. Si elle le dit, ouais. Oui, c'est bien les Starbucks. Vous avez vu ça ou pas? C'est comment délire, le chocolat. Chocolat chaud? Oui, ça. C'est... Ça doit être bon, mais... Bon, alors du coup, pour les street arts, bah, on a lui, il est pas mal. Hop, on prend photo. Et bah, du coup, voilà, c'est bien. On cherche d'autres. Alors, on va aller à l'adresse exacte qui nous a été donnée, mais il y avait lui sur le chemin. Non, cette nuit. Ça aurait pu être pratique. T'es devant pour me filmer là? Oui. Ah merde, moi je fais total. Bien sûr. Je vais le couper. Pas du tout. Plat du jour. Plat du jour. Tu vois s'ils ont des chansons françaises comme au Starbucks? Molécule. Ça, c'est du nom de magasin. Ça claque ça. Parce que tout le monde au fond de lui est attaché à des molécules. Littéralement. Malheur, elle est où l'adresse exacte? On se fera une voiture à la fin. Alors, taxi licencié. On va où? You, c'est ça? Tu vas aller dans ce magasin Harry Potter? Bah écoute, vas-y. Et bon bah ça c'est l'adresse exacte. Entre temps, il y a Tom qui s'est repêché un bonnet de pouf souffle, je crois. Et bon bah côté street art, c'est pas ça hein, quoi, il y a un cœur là. Ah peut-être là, regarde. Là, regarde là. Tom. On retraverse. Tu avais déjà fait tes achats. Ouais, mais traverser. Ça, c'est du street art, ça. Là, j'avoue, c'est du street art. Qui c'est qui veut poser devant pour la photo? Ouais. On va prendre une photo vide. Allez, vas-y, va là-bas. Je m'assois sur le banc. Non, tu vas debout sur la table. Ça va être la scène la plus longue de toute la vidéo. Incroyable. Oh purée. Ok. Ok. Oh, je n'y arrive pas. Méchant. Tu as l'esprit méchant. Je protège mon identité. Non, c'est pas possible. Hey, tu vas arrêter de te mettre la gueule pour le dessin tout le monde. Oui, j'avoue.
Je te regarde, t'es en train de... Ouais, mais on a pris le principal street art, un autre. Faut qu'on aille tout là-haut, là-bas. Ah, c'est bon. Tout là-haut. Ouais. Tu veux dire sur les tours là-bas? Purée, j'arrive pas à zoomer. Non, l'église. Ouais, bah je sais pas ce qui t'arrive, mais tiens, un autre street art. Ah, mais il y en a remis un autre, mais c'est pas le même. Il y a... Ah oui, il en a remis un autre, il y a Mister Porta. Ça, c'est du street art de qualité, ça. Une fois, je me suis intégré, la deuxième fois, je me suis rattrapé sur l'autre tome. Oui. Regarde, il y a encore une molécule. Un méchant véhicule. Non, mais j'ai dit une molécule. Une molécule. On a perdu Ruben. Ruben. Du coup, c'est bon. Oui, mais non, parce que le problème, c'est H. Ouais, mais on est dans un monde assez... Oui, c'est bien. Bon, je sais pas, t'étais. Ouais, sur le marché, il y a les bouts de bon, c'est Another Planet, genre New One. Ça, c'est pas mal aussi. À mon avis, c'est un truc en 3D, faut avoir des lunettes rouges et bleues, mais ça peut être bien. Bon, par contre, à part les street. Heureusement qu'il y a les street up pour remonter le niveau de la rue, parce qu'elle est pas si belle que ça. Hein. C'est pas très. Voilà. Là, il y a un street art de robot, un éléphant. Photo. Mais sinon, sinon il y a pas tant de trucs que ça. Bon, du coup on lui a donné une petite pièce, hein. Ouais, il était content. Mais comme par hasard, 11 jours après la lance. Mais du coup, bah, nouveau street art, to be worn again. Et donc c'est le nom de la boutique, donc je sais pas vraiment si on peut qualifier ça d'un street art. C'est déjà doit être la boutique qui a demandé à faire un street art justement dessus pour pas se faire street arter, on va dire. Mais c'est sympa. Alors, tout au fond là-bas on voit qu'il y en a un, enfin une sorte de bleu là. Je sais pas, on va bien voir. Et du coup Ruben, tu cherches toujours tes bonbons. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, hein. Vraiment on les a pas vus. Sympa là. La boisson, mais pas les bonbons. Ouais, la boisson des bonbons, mais pas les bonbons. Ça devrait être très bizarre quand même. Hein. Enfin, je sais pas si tu vas trouver un jour ou pas, mais oui. Alors là, on voit qu'il y a encore une autre sorte de street art avec des feuilles et tout. Mais je pense, Health Institution, je pense aussi que c'est le magasin qui a demandé ça. Mais soit c'est sympa, il y en a encore un autre là. Les magasins doivent demander à faire des street art. Pour pas se faire taguer par dessus, je pense. Là-bas, on voit un street art de Star Wars avec l'étoile noire. Et là, encore un autre street art sur Star Wars encore. Il y a pas mal de street art de Star Wars. Donc là, on voit le street art de Star Wars. Il y en a encore un là, Brighton Guitars, qui ont demandé à faire un street art d'une guitare. Enfin, il y en a plein ici au final. Merci pour cette histoire de kick de personne totale. Du coup, ça c'est le street art du magasin. Hop, un autre street art qui est pas mal. Il y en a qui sont mieux que d'autres quand même. Hein. Tu vois, il est bien. Il est plutôt bien fait. D'ailleurs, on voit que c'est Snub, ça doit être une sorte de pas compagnie, mais un groupe qui font des street art. Donc, un autre là qu'on voit pas vraiment. Ça m'a l'air d'être des fleurs. On est ultra. Je vais me décaler. Ouais, c'est des fleurs. C'est des fleurs par Graffiti Light, c'est sur Instagram, je pense. Et bah, je sais pas. C'est pas un magasin, donc c'est un gars qui a tagué. Non, mais c'est sympathique. Et là, on va revenir sur la route principale, donc plus street art, enfin presque pas. Mais sympa. Donc là, il est. Je ne sais quelle heure. Il est 16h06. Donc dans 30 minutes, on est censé être. Au point de rendez-vous, donc ça va, on a le temps. La ville est sympa, mais elle est vachement en travaux. Je sais pas pour quelle raison, mais. Ouais. Sympa. Bonjour, je suis au boxeur. Chez le calme. Chez la capille téléphonée. Vous pouvez appeler. J'ai le canet de Londres.
aussi. J'ai aussi les cartes au pot de salle. J'ai cru que c'est comme ça que ça se dit en français. J'ai aussi les tickets de caisse. Très utile quand tu veux payer. J'ai le sac. Le sac. Bon voyage. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai plus rien, mais j'ai perdu mon sac. Je le sais. Au revoir, petit montant d'année. Et à plus tard. Ouais, il fait la pose russe pour dire bonne nuit. C'est, tu vas dire bonne nuit toi aussi à la caméra. J'ai rien pu acheter. Dis bonne nuit. Pardon. Pour dire bonne nuit. Je suis désolé. Cool. Je suis content pour toi. Pour lui, il les a fautés. Bon, ainsi s'achève notre voyage en Angleterre. Ouais, c'est un peu bizarre la fin, je veux comprendre que vous ne compreniez pas. C'est vrai que, bah en fait, on est passé tout de suite au dernier jour, au vendredi. Et en plus l'après-midi, parce que j'ai pas pu faire le matin. Mais donc du coup, ça finit très bizarrement, tout de suite on arrive dans le bateau. Alors du coup, je voulais un peu expliquer comment ça s'est passé. Donc en gros, une fois qu'on est fini de prendre les street art, on a continué et on est allé manger dans un restaurant de fish and chips, donc le plat traditionnel anglais, en deux groupes séparés parce qu'il n'y avait pas la place forcément. D'ailleurs, mon groupe était dans un restaurant français. Alors là, j'avoue, bravo, hein, parce que être en Angleterre pour manger dans un restaurant français, j'y aurais pas pensé personnellement. Mais non, c'était très bon en vrai. Et donc, ensuite, on est monté sur le bateau. Et vous avez vu, on était fatigué. On était sincèrement fatigué. Mais c'est pas pour autant qu'on a dormi sur le bateau. Hein, parce que, ouais, c'est pas que ça tanguait, c'était juste que les sièges étaient pas très agréables pour dormir. Et bah, du coup, moi personnellement, je me réveillais environ toutes les 10 minutes. Un truc dans le genre. Alors les autres je sais pas, mais en tout cas chez moi c'était ça. Mais bon, ensuite on s'est réveillé et puis on est reparti après en direction de Montauban donc. Et puis on est rentré chez soi. Alors bah du coup le voyage est terminé, ça fait quand même quelques mois, hein, on va pas se mentir, j'ai mis du temps disons qu'à faire cette vidéo. Mais ça m'a fait plaisir de revoir tous ces rushs. Et je me dis ce serait possible de faire un making of probablement avec tout ce que j'ai, on verra. En tout cas, moi, bah, je vous dis à plus et ciao !